Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore d'évacuation. Donc, j'avais déjà présenté un sac. Seulement, il se trouve qu'en regardant plus, j'ai pu acheter un nouveau sac. J'ai décidé d'en faire une vidéo et de présenter donc mon sac qui me sert pour le travail de tous les jours. De présenter la première idée que j'avais pour mon sac d'évacuation. Et la nouvelle idée. Alors, je vais présenter trois sacs. Alors, forcément, il y en a un. De toute façon, c'est clair que ça ne sera pas celui-là. Mais entre les deux choix que vous aurez à faire, il y en a un qui sera plus ou moins mieux ou pas. Donc, ça sera à vous de me dire, soit dans les commentaires, soit dans le sondage. Et puis aussi, pour vous entraîner à savoir quel sera le mieux. Premier sac, alors, ça, c'est le sac que j'utilise en travail de tous les jours. Donc c'est un petit sac, on va dire 15-20 litres. Alors c'est pas exceptionnel, mais pour le travail ça suffit. Alors, on a une poche avant qui permet de mettre, par exemple, mon EDC, comme j'avais déjà présenté, avec différentes choses dedans, pour pas forcément avoir à ouvrir. J'aime bien ce système parce qu'en été, des fois quand je pars le matin, il fait un peu froid. On peut toujours coincer le gilet l'après-midi quand on n'a plus envie de trimballer partout, ce qui est pas mal. Et après, bon, là, la poche principale où on a différentes choses dedans. Alors ça, pour sac d'évacuation, on est d'accord que ça peut être un sac bonus, je dirais. Tout à fait un sac bonus ou un sac au lieu de rassemblement ou qui peut servir... on va dire dans un petit surplus, mais en aucun cas pour utiliser une évacuation. Alors, tout sac est bienvenu, hein, mais on est du gros, on peut l'appliquer pour ça. Alors bien sûr, c'est un sac, ça permet de transporter les choses, donc si on peut l'utiliser, ne pas s'en priver. Mais pour une évacuation, c'est pas celui-là. Deuxième sac, alors ça c'est mon nouveau sac. Alors, ça c'est un sac. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup sur celui-là, c'est les différents compartiments qu'il y a. Bon, je ne sais pas si on verra sur la vidéo, hein. On verra, mais on a vraiment différents compartiments. On a une grande poche qui s'ouvre, donc le sac qui s'ouvre carrément comme ça. Ça, c'est pas mal pour les habits, pour les différents... habits qu'on mettra dedans. Ce qui est super avec celui-là, c'est qu'en fait, quand on veut chercher quelque chose, on n'a pas forcément à aller chercher au fond. On a vraiment les compartiments et on peut vraiment bien compartimenter nos éléments, nos différents modules. Les modules, on verra ça une prochaine fois. Et du coup, c'est vraiment le sac que j'aime beaucoup. Il fait 36 litres, si je ne me trompe pas. Il y a encore des poches sur le côté. Les deux côtés, il y a des poches. Enfin, on peut rajouter des poches, pardon. Là, on peut rajouter des poches. Et là, si on ajoute encore quelque chose en vélo. Alors, 36 litres, vous calculez 36 litres. Vous ajoutez 3 à 4 poches de 5-6 litres. On arrive vite à 50 litres pour un sac d'évacuation. C'est pas dégueulasse. Alors, après, il y a aussi... la poche arrière pour mettre un camelback, ça c'est pas mal aussi. Un camelback, c'est une petite poche à eau pour ne pas obliger de s'arrêter tous les 10 minutes pour boire. On en parlera dans une autre vidéo aussi. Par contre, après, le petit défaut, il n'a pas le réglage dorsal comme on verra comme sur le prochain. Mais enfin, sur un sac comme ça, vous partez déjà pas mal gagnant. Moi, je dirais que, franchement, j'ai commencé à le remplir. Il est quand même assez confortable. Et vous avez un nombre incalculable de poches là-dedans. Donc ça, un petit rail pour celui-là. Je vous l'ai déjà montré. C'est celui-là, mon sac d'évacuation de base. Alors, le grand défaut de celui-là, c'est que quand on veut quelque chose, on est obligé d'aller au fond. Enfin,
il n'y a pas de compartiment, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de compartiment. Et donc, pour chercher un truc, comme en général, quand on cherche un truc dans le sac, c'est toujours au fond. On peut chercher tout et n'importe quoi, ce sera toujours au fond. Et ça, en cas de truc, c'est un peu galère, quoi. C'est pas forcément une bonne chose. Alors, ça sera plus un sac de camping, hein. Genre, c'est tranquille. Mais par contre, il a deux avantages, je dirais. C'est au niveau du dos. Là, je sais pas comment on appelle ça. Ça peut jouer quelque chose d'important sur le dos. Alors après, il y a aussi ça. Le fait qu'il soit souple comme ça, je suis pas trop fan. Je préfère le pour ça. Mais c'est vrai, pour cette partie-là, il s'adapte bien au dos. Et pour ça, c'est pas mal. Ensuite, au niveau du bidule, alors sur le sac, on a aussi la partie à cache au niveau des hanches. Par contre, on n'a pas la partie du haut. Parce que cette partie-là, ce qui est intéressant, petit truc, c'est que quand on a un sac comme ça, attention au micro, quand on a un sac comme ça, l'idéal, ça c'est très important, c'est d'attacher au niveau des hanches. Il faut vraiment que ça soit là. Donc on l'affiche plus sérieux en plus. Voilà. Et après, vous fermez aussi le haut. Alors là, je vais pas le fermer parce que là, j'ai le micro. Mais en gros, si ça vous ne le faites pas, tout ce que vous avez dans le sac, vous avez une sensation des épaules. Si vous êtes caché en bas, si vous faites un bon réglage, je sais pas si on me voit là, si vous faites un bon réglage au niveau des hanches avec ça, vous allez voir que ça, que vous n'allez pas le porter avec les épaules, mais avec les hanches. Alors ça peut être quelque chose de basique, mais on y reviendra une fois dans une autre vidéo, on y reviendra. Ça peut être quelque chose de basique, mais c'est très, très important. Marcher 48 heures ou 72 heures avec un sac qui pèse entre 10 kilos et 16 kilos, on va dire, faut y aller, quoi. Donc voilà. Et ensuite, alors, j'en avais déjà aussi présenté vite fait, je crois. Là, c'est ma petite sacoche. Alors, j'utilise pour les tournages, pour mettre mon matériel de vidéo. C'est une sacoche qui fait quand même 7 litres. 7 litres, c'est pas négligeable. Surtout, en plus, si vous rajoutez encore d'autres pochettes, d'autres sacoches sur votre sac, là, vous partez quand même avec quasiment 60 litres sur vous pour l'évacuation. C'est quand même relativement pas mal. Donc, bah, c'est hein, quand même, ça c'est pas négligeable non plus. Donc, vous aurez compris le sac, moi je prendrais, ça sera sûrement celui-là. Hein. Moi ce que j'aime, c'est vraiment les compartiments. Alors après, ça c'est à vous de voir, hein. Je veux dire les choix, les goûts et les couleurs, mais je pense avoir fait mon choix. Donc, moi, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, les amis.